se passe-t-il bonjour. Avec ce sac à dos? Bah, je vais faire du vélo. Habillée comme ça. En robe. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez comprendre. Mais Manu Payet, ça va le faire trop rire. Ouais. Ça va pas forcément ensemble. Est-ce qu'il va faire du vélo, lui, ou pas? Bah, si. Non, moi, c'est bon. Je peux pas, parce qu'il n'y a pas les roulettes. Il n'y a pas les petites. Ah, c'est pas quatre roues, malheureusement. Ouais. Voilà. Bon, alors, je vais vous parler des petites nouveautés vélo qui arrivent là à la rentrée. Regardez ce sac à dos absolument magnifique. Parce que je vais tout mettre dans mon sac à dos pour pédaler plus facilement. Donc, je vais mettre mon ordinateur, je vais mettre toutes mes affaires pour aller au bureau. Et quand je vais me retourner, qu'est-ce qui se passe? Regardez, mon sac à dos clignote. Donc il indique que je tourne à droite, que je tourne à gauche, que je vais tout droit comme une hôtesse de l'air et qu'il y a un danger à un moment donné parce que par exemple je suis arrêtée ou vous voyez, il s'est passé un truc comme ça. Donc... Attends. Ça marche avec la télécommande que tu as dans la main? Alors ça marche avec la télécommande. Et comment tu fais? Tu tiens donc ton guidon qu'avec une main? Pas du tout. Elle se clipse sur ce petit bitonio que vous avez mis quand même sur votre vélo. Voilà. Et donc, vous avez télécommande directement au guidon. Ok, ça marche. Ça va. Donc, évidemment, bien joué. C'est quand même un petit outil. J'adore quand Laurence, elle dit, il faut appuyer sur le bouton, mais en scooter, tu fais comment? Non, mais si tu dois lâcher le guidon pour truquer la télécommande... Toi, tu fais jamais de... C'est sûr, je fais plus que toi, ma petite. J'étais encore en couche-culotte, puis j'avais déjà un scooter. Et ça marche de jour comme de nuit, ça coûte 149 euros.